À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce décryptage. L'agence de communication DCC Communication a lancé officiellement cette semaine la deuxième édition du concours Prix Indépendance Médiatique. Un concours qui a pour objectif principal de valoriser les productions médiatiques et de reconnaître aux hommes des médias leur mérite. À cet effet, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Cassius Samba, le président du comité d'organisation du dit concours. Alors, Cassius Samba, bonjour. C'est Caroso à côté, bonjour. Alors, j'apprécie très bien cette veste. Merci. Qui vous enjolive encore plus. C'est gentil. Alors, vous êtes à la deuxième édition du prix concours, prix indépendance médiatique, je dirais plutôt. Pourquoi une telle initiative? Eh bien, il faut dire que le Bénin a d'immenses talents en matière de journalisme. Il faut reconnaître que si l'on recherche au Bénin des journalistes talentueux, nous en avons. Des journalistes talentueux qui n'ont nécessairement pas besoin des scènes politiques, des scènes de guerre, pour révéler leur talent. Et donc nous avons pensé à une promotion de la jeunesse, mais une promotion de la jeunesse accentuée sur le domaine de la presse au Bénin. Nous avons pensé qu'il faut creuser, qu'il faut créer du moins ce creuset annuel pour les acteurs des médias au Bénin, afin de leur permettre de révéler leur talent, de montrer davantage aux yeux du monde entier que nous avons des journalistes talentueux au Bénin, des journalistes professionnels qui sont capables de faire de bonnes choses, de bonnes productions au Bénin. Très bonne idée alors. Quelles sont les conditions pour participer à ce concours? Eh bien, conditions, critères de participation, il suffit simplement que vous commencez par être béninois. Cela voudrait dire que vous avez une nationalité béninoise. Cela voudrait dire que vous l'avez peut-être acquise par alliance ou encore par diplomatie. Cela voudrait dire que vous avez un âge compris entre 18 à 40 ans. Cela voudrait dire que vous avez une attestation, vous avez quand même une qualification qui montre que vous êtes un diplômé d'une école de journalisme reconnue par l'État béninois. Cela voudrait dire que vous êtes capable de produire un article de presse, de produire un reportage en audiovisuel ou encore de produire un reportage à la radio. Les deux genres que nous imposons, c'est déjà le reportage et l'investigation. Et donc voilà en quelque sorte les critères de participation. Très bien. Alors donc pour un diplômé, il n'est pas obligé d'être déjà en exercice, un journaliste en exercice ou tout simplement avoir le diplôme suffit. Oui, il faudrait le clarifier. Avoir le diplôme seul ne suffit pas. Ah, okay. Il y a 2 ans d'expérience exigée. Cela voudrait dire que vous avez le diplôme, vous avez fait une école, vous avez fait un centre de formation reconnu par l'État béninois, vous avez le diplôme qui justifie votre qualification. Il faudra encore prouver que vous avez au moins 2 années d'expérience pour participer à ce concours. Alors, la particularité cette année, c'est la revue à la hausse du prix auquel qui s'élève bien sûr à 1 500 $ comparativement à 1 000 $ l'année dernière. Alors, pourquoi cette hausse aussi accrue? Eh bien, avant d'aller vers les lots à gagner, avant d'aller vers cette enveloppe financière énumérée en dollars à distribuer, hein? Évidemment, je voudrais ajouter à ces critères de participation dont nous avons parlé tout à l'heure qu'il y a frais d'inscription de 5 000 francs que nous exigeons également, qui doit accompagner le dossier à l'inscription. Alors, parlons de lots à gagner cette année. Nous avons revu à la hausse, comme vous l'avez dit, l'enveloppe financière. L'année passée, nous avons distribué 1 000 $ et cette année, nous distribuons 1 500 $. Cela en valait le coup parce que, avoir la qualité de cela que nous exigeons en compétition, il faudra des motivations intéressantes pour leur montrer combien de fois ils méritent d'être honorés, combien de fois ils méritent d'être élevés au grade qu'il leur faut. Et déjà, ici, les 1 500 $ viennent du fait que cette fois-ci, l'innovation va nous permettre de retenir les meilleurs par catégorie. Et déjà, nous avons 3 catégories. Nous avons la presse écrite, nous avons la radio, nous avons la télévision. Et cette fois-ci, il ne s'agira pas de relever le meilleur des meilleurs, comme on l'a fait l'année dernière, qui sera désigné comme le prix indépendance médiatique. Mais il s'agira d'avoir plusieurs prix indépendance médiatique à raison des 3 catégories que nous présentons actuellement. Et cette fois-ci, le premier de chaque catégorie a, comme lot à gagner, une enveloppe financière de 500 $. Un ordinateur portatif, une médaille, un trophée. Wow. Il a également des documents didactiques. Et cette fois-ci, nous orientons les documents didactiques à donner dans des spécialités du journalisme. C'est notre souhait et ce sera fait. Et donc, vous allez constater que si nous avons 3 catégories et que nous avons 3 premiers, et donc les enveloppes financières à distribuer font une valeur
total de 1 500 $ à raison d'une enveloppe financière de 500 $ par produit de chaque catégorie. Très bien. Juste à entendre les différents prix disponibles pour les différentes catégories, cela me donne envie de participer. Alors, étant journaliste premium, Sylvine, puis-je être éligible pour participer à ce concours? Et bien évidemment, malheureusement, c'est le contraste. Vous êtes journaliste après M. Sylvie Bénin. Oui. Il faut avouer que pour la crédibilité, ou sinon pour des raisons de crédibilité de ce concours, nous avons voulu que ceux-là qui sont journalistes après M. Sylvie Bénin soient écartés, parce que M. Sylvie Bénin appartient à DCC Communication. Et donc, pour le commun des mortels, il y a forcément en guise sous roche lorsqu'on en vient à désigner un journaliste, bien qu'il soit méritant, bien qu'il ait les qualifications, bien qu'il ait produit une œuvre journalistique de qualité pour mériter sa place, les uns et les autres vont penser que c'est parce qu'il fait partie de l'arsenal de presse de DCC Communication, appelé Prime de Sylvie Bénin. C'est pour ça qu'il est favorisé. Et donc nous avons voulu taire toutes ces polémiques, nous avons voulu taire tous ces commentaires et nous avons simplement exigé que ceux-là qui sont journaliste après M. Sylvie Bénin soit purement et simplement écarté. L'autre côté, il ne s'agira pas seulement des journalistes de après M. Sylvie Bénin, même des journalistes qui ont une filiation, d'accord, avec les membres du jury ou encore avec le comité d'organisation, ceux-là sont exclus. D'accord. Donc, si vous êtes journaliste, vous êtes parenté à un membre du jury, vous êtes parenté à un membre du comité d'organisation, c'est que votre participation n'est pas retenue. Et donc, cette transparence me donne encore envie. Merci. De voir le sérieux qui se trouve autour de ce concours. Alors, quel est le message que vous pourriez adresser aux potentiels candidats? Eh bien, je voudrais déjà dire à tous ceux-là qui ambitionnent de participer à cette compétition que les inscriptions ont démarré. Ça a démarré depuis le lundi dernier, lundi 4 avril, et ça prendra fin le 29 avril, disons environ un mois, pour leur permettre de s'inscrire suffisamment et massivement. Je voudrais demander à ceux-là qui sentent en eux un talent journalistique et qui ont envie de se révéler au monde et qui croient en leur capacité de produire un article de presse en respectant le genre journalistique ou en respectant le genre investigation, de ne pas hésiter. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est déjà le tourisme au Bénin. 62 ans après les indépendances. Wow. Ce thème, forcément, quand nous parlons de tourisme, ça permet de nourrir le sujet, ça permet de nourrir le développement qui sera fait, ça permet de nourrir la production, quelle que soit la catégorie de presse. Que vous soyez à la presse écrite et que vous produisez un article de presse qui respecte le genre reportage ou investigation, vous avez forcément de quoi nourrir votre reportage en parlant du tourisme au Bénin. Lorsque vous êtes à la radio ou vous êtes à la télévision, vous avez forcément de quoi nourrir votre production. Et donc, c'est un thème suffisamment riche qui permet à tous les candidats de savoir quoi dire ou de trouver quoi dire pour pouvoir participer à cette compétition. La qualité de la production, nous l'exigeons, et cette qualité professionnelle réside dans dans la capacité du candidat à bien s'exprimer, à bien présenter les informations qu'il aurait recueillies sur le terrain en termes d'investigation ou en termes de reportage, à bien nourrir son élément pour attirer ou mériter l'attention des membres du jury en termes de notation. L'autre chose aussi, c'est que lorsque vous avez fini de faire ces efforts et que vous avez eu à produire votre œuvre journalistique et que vous soumettez aux membres du jury, il y a aussi à côté la visibilité. La visibilité, c'est-à-dire l'audience qui est cachée derrière votre production. Donc vous aurez à nous montrer que non seulement vous êtes un journaliste béninois, vous avez du talent, mais vous avez aussi une audience qui est derrière vous. Et donc tout ça entre dans le cadre de la participation à ce concours. Je voudrais m'en arrêter là pour dire à tous ceux-là qui ambitionnent emporter ces dollars que nous avons déjà jetés en l'air. Ces 1 500 $ sont désormais jetés en l'air, comme j'ai l'habitude de le dire, et n'attendent que ceux qui vont les arracher. Alors, et donc, venez, chers journalistes, en compétition, montrez de quoi vous êtes capable. N'hésitez pas, n'attendez pas le dernier moment pour venir déposer vos dossiers d'inscription.
Bonne chance à chacun et à tous. Alors, merci Cassius Samba pour ces détails aussi explicites. Les 1 500 $ sont lancés. Alors, chers journalistes, n'attendez pas, courez vite défendre nos 1 500 $. À très vite, c'est la fin de ce décryptage.